Nous toujours dans Esaïe chapitre 43. Dans quel livre on dit nous? Esaïe chapitre 43. Donc, nous lisons encore une fois de plus verset 1er, rivé dans verset 7. À la gloire de Dieu. Amen. Donc, pour m'avouer tout, pour m'avouer que nous, Jésus, nous prenons plaisir pour nous lire. Ça fait nous aimer nous pour ça. Donc, dans le temps de voir, nous avons fait lecture ça ensemble avec moi un soir. Amen. Est-ce que tout le monde a une Bible dans la main ou bien sur l'écran, si vision assez puissante pour arriver là, à nous faire lecture ça ensemble. Ainsi parle. Qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du bruit à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Et venir mes fils de pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Parole du Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, tout homme fort, tout esprit contraire, qui va avec mon temps des paroles de mon Dieu, qu'on y a Marie ou. Marie, amna wa pouvoir ciel là-bas moi. Miroté. M'emprisonner au Kounia. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 La paix de Dieu avec vous. Amen. Depuis la rivé dans la zone là, m'a regardé l'atmosphère là. Et je me demande le ciel pour faire la géographie terrain pour moi. Donc, à partir de là. Nous te présenter message chaque soir. Si vous songez dans la première soirée, nous te respecter. Nous demander bon Dieu grâce pour ne pas venir vous monter dans le texte là. Parce que vous monter pas mener monde dans le ciel. Vous monter pas ouvrir le monde. Toujours aimer ça. Depuis que vous êtes dans le monde, vous l'église ou pas qu'à sorte. C'est pour venir plus intelligent. Et c'est pour chaque responsable. Enseigner l'église là. Pour l'église à cabine éclairée. Donc, en ce sens, nous te respecter le contexte passage. Nous te présentons le passage ça selon le contexte. Pour expliquer où c'est Israël qui est tombé en captivité. Mon Dieu l'a dit amen. Israël est tombé en captivité, qui sont sortis en type d'esclavage parce que ils viennent prendre contre eux-mêmes et puis arrêter dans le pays Babylone. Donc, son captivité, c'est une histoire biblique qui est effectuée à date différente. En pile, roi participer dans le mouvement, ça, mais roi qui posait plus gros actions malhonnêtes, c'était le nombre de les débuts de Nebuchadnezzar. Et vous songez d'Abdi, raison de faire l'Éternel laguer Israël dans la captivité, c'est parce que tu es un roi qui te relègue Ézéchias, qui te font un acte que l'Éternel n'a pas accepté, qui te péché contre l'Éternel, qui te ingrat envers l'Éternel. De façon simple, je vais me résumer ça. Oh, qui péché Ézéchias te fait? Ézéchias malade, l'Éternel fait le faveur, il guérit. Tant que Ézéchias font action de grâce, pour lui remercier. Bon Dieu, Ézéchias plutôt font fête et puis il invite mon monde ou à parer, ville prend plaisir dans fête là. Vous songez à proche ça que me dit frère avec Ézéchias Jean la Gia, il t'a connait qui pas reconnaissant, qui est ingrat envers l'Éternel. C'est comme si tu me dans son monde
Gardez nous, il fait toute ville pour aller dans le mariage. C'est comme si le mariage t'a couru le mais finalement, bon Dieu dit, m'a marié, mon frère. Bon Dieu dit, m'a marié, ma soeur. Le monde, ça a gagné cœur dans le mariage. Li, son jazz, le monde, il invite à venir jouer pour lui. Même avec un pile mariage protestant actuellement là, lorsqu'on a une cérémonie mariage, lorsqu'on a une réception, où est-ce que c'est musique moins, musique païenne, musique mondaine qui arrive. Nous ne pouvons pas dire Amen, ça veut dire ça. La gaille, ça y est, parfait, bon Dieu, plaisir. Sometimes, on dit, oh, this is my day, I can play whatever music I want. Come on, c'est bon Dieu, bonjour, papa. It's not really your day, it's God's day. It's just a favor. The Lord is doing it. Côté Amen, nous faisons là. Bien aimé, le Seigneur voulait pour nous reconnaissant à l'égard de lui pour tout geste qu'il fait avec nous. Gardez un acte de gratitude qui conséquence tout nos peuples dans le pays. L'Éternel était utilisé pour faire des Isaïe pour te porter commission ça. Baïwa Ézéchias qui était entré au païen dans le milieu côté que vous pas entrer pour vous toucher, pour vous manger ustensile sacré qui était dans le moment, dans le temple, l'Éternel fâché. Et puis l'Éternel dit Ézéchias, regardez comment ça a passé, peut-être Zach sans faire. Regardez, génération va tomber en captivité pour 70 ans. Bien aimé, Ézéchias mourit et puis prophétie a été dans l'air. Prophétie a pendu dans l'air. Et qui moun qui pourra le payer conséquence? Qui moun qui pourra le subir conséquence ça? M'a fait histoire courte pour rentrer côté de river avec quoi? Son bonne jeune petit moun qui peut quand même faire les Ézéchias te fait ça bien. Et c'est sous ligne biblique ça yon nous camper nous-mêmes pour nous dire ou quand on converti mon toujours à payer conseil de pour casser dans bon racial parce que ou vous pouvez jamais divorcer avec eux quoi qu'on ait Jésus dans la vie. Ah papa, puis quand on ait Jésus tout est fini non, mais pendant qu'on ait Jésus en dedans Jésus ou jouer une provision pour révoquer toute sa situation de héritier connecté à vous-même. Ou pas subir malheur pendant un bail. Est-ce que l'église comprend? C'est où est-ce que tu as ça? Ézéchias fait péché, Ézéchias mourit l'année. Année passée. Pendant Shadrach, Meshach, Abednego, pendant Daniel, jeune teenager ça y est, dans la cour de la caillou, peut-être qu'il y a un basketball, et puis il garde, il y a un roi de Nebuchadnezzar, paraît sous yo, et puis il fouque, il prend top, mais dans le pays de Babylone. Arrêtez. Bien aimé, c'est un bagage terrible. Jean Nebuchadnezzar rentré à Jérusalem. Histoire dit, Nebuchadnezzar rentré dans la ville là, lui-même rentré dans le temple. Et puis il rentre dans le temple là à tout cheval. L'entrée dans le temple là à tout cheval, je me dis, Nebuchadnezzar n'a pas gagné rien. Rien n'est pas arrivé. Alors que le temple songe uniforme de trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nebuchadnezzar pénétrer tous les trois espaces, ça y est, rien va arriver. Alors que l'histoire continue de dire, le sacrificateur qui a le droit pour rentrer dans le saint, dans le très saint, une fois là, et faut le clair avec l'Éternel. Si ce n'est pas ça, là, tout mourir dedans. Pour un assassin, un criminel, d'un côté de déjà, trouver rentrer dans le temple, il va gagner rien. Ça veut dire, tant là, mes frères et mes soeurs, ce qui est valeur, c'est la présence de mon Dieu là-dedans. Ça m'a pour là tellement vrai. Dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, il y a quelques éléments qui sont symboliques, qui ont une signification spirituelle qui est forte, telle que l'arche de l'Éternel. Je dis l'arche de l'Éternel, c'est là que l'Éternel a prouvé sacrifice là. Et puis il y a un contact qui fait dans l'arche là, et chaque inacte descend. Tout le monde constate que bon Dieu accepte ça, trouver ça. Je dis que Nebuchadnezzar est entré dans le temple, il prend l'arche là carrément. Il prend l'âge là carrément, il y a la caille avec elle. Attendez, il n'y a pas gagné, non? Ça veut dire même l'âge là qui soit disant symbolisé la présence de Dieu, il était à l'école. Est-ce qu'on songeait dans la marche dans le désert, gagner sacrificateur qui a porté l'âge ça? Pendant qu'il a porté l'âge là, oui, et puis l'âge là font-il pencher. Gounet qui joue le moyen, la moyen lâche là, du fait que c'est pas Dieu qui dit ça, c'est pas Rol qui dit ça. Fiel dit péter là pour là.
retourner dans le début de Kabneza, qui m'a rien lâché là, il va gagner rien. Il touche la chale, il va gagner rien. Il prend le couteau, il prend tout ce qui est censé le sacrer, rien n'est pas arrivé. Alors, ce n'est pas rien qui est arrivé, non? D'accord, là, pourquoi vous voulez vous montrer moi et maman? Et le sang là, pour moi, avec quoi prendre? Le début de Kabneza prend la chale, allez. Et puis il prend jeune intellectuel, tout le monde qui a un cerveau, il prend tout. Et je dis, ah, si vous permettez de me faire quoi ça, en Haïti, dans le pays, je dis presque tout le monde a un cerveau, vous mettez quitter le pays. Sans sorte de captivité, vous ne pas venir dire amen, zéro. Parce que j'en pays, il y a un monde sérieux, pas qu'à vivre là. Et pas un monde sérieux, non. Le monde qui veut vivre, pas qu'à être là-dedans. Ça, quand je dois tout juger, tout le monde a un cerveau. Imagine quelqu'un qui hôpital dans la diaspora ou à saisir ces haïtiens qui dirigent tel hôpital. Même haïtien, ça, l'a passé dans le pays, il a allé dans le sur-mer ou bien dans 10 camions, il fait 3 jours de cocoïne et puis il retourne ici côté le camion en Haïti. Bon, mon petit bagage, vous n'avez peut-être pas d'accord avec l'approche ça. Là encore, c'est une sorte de captivité. Parce que dans ce moment, il dit, les justes ont commencé à critiquer le corps dans la nation, c'est qu'à la nation ça. Les gens qui ont sept pour critiquer le corps, qui sont la nation ça. Et c'est comme si ça ne partait pas de rien en Haïti. Demain, je vais regarder dans la nouvelle, un jeune docteur, un physicien, un bête. Si vous avez fait une graduation à l'école, il y a 32 ans, médecin lié, va qu'à mon soumoto grillé, va qu'on salve les mouillots, je dis c'est contre-rendu. Est-ce que le résultat contre-rendu, c'est tout le monde? Non, ça vient de faire que le petit monde qui a grandi, tout espoir, c'est jeter au Canada, jeter la France, jeter les avions, alors que c'est nous qui avons un cerveau pour nous acheter, pour réfléchir, pour nous dire nos amis, comment t'as retiré le pays de la Kaoutsa? Pays dans la caoutsa. Comment vous tâchez à penser même pour ne parler pas pour te dire là-bas nous? Comment maladie ça, les maladies, choléra? C'est parce que vous ne savez pas aller. Sans pas besoin de faire politique, gardez un parlement qui est dans le pays. C'est un bagage terrible. Parti ça, bon, quittez-le. Mais, mon cher, le gars de ces sacs qui représente comme sénateur, comme député, si vous parlez de l'envoi, c'est pour éviter le conduit. Après, nous parlons de amen. Donc, c'est vrai, par contre, depuis qu'il y a déjà physique, qui rentre, qui prend mon cerveau, qui voit y aller, mais spirituellement, on peut une force qui travaille en Haïti et qui a plein de monde qui est capable de. Non, ouais, là, c'est un haïtien qui a travaillé dedans. Mais pour qui ça va qu'à travailler la caillou? Nous connaissons un haïtien qui a honoré, et puis c'est à haut niveau. Blanc, à respecter ses vonnègres. C'est pas blague. C'est pas blague. Mais pendant ce temps dans le pays, nous, on voit que j'en ai grave. Si mon petit gens, qui a tout le monde. Dernièrement, mon grand ami, moi, un combattant que je connais, je prends petit lit, je tue. Qui monde qui tue petit là, monde qui a vu manger dans la chaque jour. Monde qui a vu brûler dans la chaque jour. Les machines mises en panne, qui est-ce qui range les machines dans mon lit? Non. Et puis, il kidnappe les petites messieurs, garde dans le bagage des entrailles, et puis, il tout fait contraction, je lui basse, balancer là dans la falaise. Donc, mon ambiance comme ça, il n'y a pas de courage à rester dans un monde. Est-ce que l'église là avait mieux ce qu'à vous? Donc, comprenez l'approche pour un assoir pour me bien atterrir ensemble avec vous pour la gloire de Dieu. Depuis 4 mois, il est rentré dans le temple, il prend tout le bagaillot. L'année, rien n'est arrivé. Oh mon Dieu, rien n'est arrivé. Pour rien n'est pas arrivé. Attendez, là, ça, où est-ce que vous avez pris l'alliage en Dabdou, c'est lui-même qui symbolise l'âge de l'éternel, la présence de l'éternel en Israël. Depuis l'âge là, par là, tout
tout sacrificateur vient dans menti. Tout vient tourner bluffé. Pour qui ça que me dit ça? C'est parce que lâche là, c'est à partir du lâche là pour recevoir sacrifice dans mes mains. Mon qui peut-être vient demander pardon, te font bagaille sur la loi de Moïse, vient demander pardon, vient offrir sacrifice sur l'autel. N'est-ce pas jamais d'ici lâche là là. Et puis on continue à recevoir ton bœuf. Parce que en dedans ton bœuf là, une bonne portion en vient là, c'est pour y aller. Est-ce que mettre prêcher? Donc bon portion en vient là, c'est pour y aller. T'as pour deux trois pasteurs 2017 que t'es carrément nous dit non, c'est pour y aller. Oh, mais c'est gars d'autres job. Vous n'êtes jamais every Sunday people bringing you their tithe. It's yours. Are you serious, bro? You better go to work, my friend. It's not yours. It's for the people. Et pas pour lier, mon coupé. C'est pour même mon lion, là, bloqué, là, pas capé, caillou, là, pour me coupé. C'est pour même mon lion, là. Well, it would have been crazy. Comme si pour tout le monde qui l'a apporté 10 mètres, c'est pour vous lire mon copain. Oh! Non, cher, il n'est pas pour vous. L'église l'a structuré, l'église l'a organisé de façon où il respecte les pasteurs, où il respecte les leaders. Mais 10 mètres, c'est pour Saint-Elel bloqué. T'as mopé, t'as nettoyé, t'as pris la boue, t'as pris ceci. L'aile bloqué, monsieur, nous ne pouvons pas mettre l'argent pour nous appuyer, pour nous appuyer, pour nous appuyer. Non. Une rassemblée mentale. N'est-ce que pas jamais dit si lâche la banane. Et tandis que selon la vérité, son convocation générale du monde a fait, vous a dit, mes amis, vous prenez lâche. Parce que c'est pas pour la première fois qu'il prend lâche là. T'es bon l'air, il prend lâche là. Il y a la veille, félicité, et puis il a mis en présence d'Agon. Et puis il lâche la campagne en face d'Agon. Et puis chaque lèvre entré, le jeune d'Agon tombé, bloup. Après, nous allons répondre, moi. Le jeune d'Agon tombé. Et je prends l'âge là, mais présence l'éternel toujours sous l'âge là. Il dit, il va abandonner. Tout pays a connu l'âge là par là. Laisse David de manger, il n'a pas manger. Parce que David connaît l'âge là. C'est sous l'ordre de l'éternel de Moïse à Pharaon, qui est préparé. C'est sous l'ordre de Dieu. Mais fois ça, il prend l'âge là. Sacrificateur, on va dire rien. Mais vous continuez, toutes les vidéos, vous continuez à recevoir offrande, vous continuez à recevoir sacrifice dans le peuple là, comme si l'âge là était là. Année passée, en captivité. Écoutez bien. 70 ans pour arriver, et puis l'Éternel pour le servir avec Esaïe, pour dire, l'Éternel pour le mettre dehors. Dans la captivité, à partir de Cyrus, il y a un appareil qui va dire quitter mon saillot à la caille. Est-ce que vous avez un amen? Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a formé. C'est par l'encouragement. Bon Dieu a voué en deux captivités à vous, mais lâche-la pas là en Israël. La captivité a fini. 70 ans fin passé. C'est même 70 ans, les 70 semaines de Daniel. La période de captivité a fini passer, et puis vous voyez les messieurs la caillou, Esdras, Néhémie, tout le monde s'est retourné la caillou. Et puis Dieu dit bon, du fait que bon Dieu mette nous dehors, nous allons offrir un sacrifice à l'éternel, soit les prophètes osés, ou bien tout récit, ça ne m'a pas la voix. Nous allons offrir un sacrifice à l'éternel, et puis je dis messieurs, dit bon, premier ça nous va le faire, tant ça. Depuis que les a été déshonoré, nous allons reconstruire le temple. Nous allons reconstruire le temple avec respect. Et puis qu'on a là maintenant, et puis nous allons ranger le temple, Jean Louis. Et puis on dit, monsieur, pas un bel temple. Édifice la belle, les bien campé. Et puis il y a réjoui, il est content. Parce que l'église la belle, l'église la tirée. Le temple regardé non, mais vous m'en gardez. Vous dites, t'as rien à le marché là. Les gens regardent les rochers, ils n'ont pas marché dans l'église. Ils n'ont pas marché dans l'église.
puis pendant que monsieur a pompé comme ça, et puis le texte a dit, ancien eux-mêmes, mais dans le deuil, ils sont tristes. Parce que les bagailles qu'on connaît, dit monsieur, qui est-ce que ça est au courant? Tant plein belle, c'est vrai, mais ça fait valeur tant plein, il n'est pas là. C'est que lâche-la, pas là. Lâche-la, pas là. Non, bon, vous voyez, c'est comme une époque, lâche-la, pas là, pour me tourner dans 2017, moi, il est là. Est-ce qu'on connaît son incapacité ou on n'est pas présent pour dire les vœux? En pile côté sur la tête. Ah, dis amen, bon, moi. Côté montré, mon Dieu, pardon, du ciel là, pas place, même pas de là. Ma garde, mon service, service, ta fait, présent, bon Dieu, pas là, mais vous présence en dernier, pas présent, bon Dieu. Ou pour manifestation d'un, mais c'est pas présent, bon Dieu. Ou on a manifesté, on a cherché, on a cherché, mais c'est pas présent, bon Dieu, vrai. Et je dis à nous vivons bien ça, nous voyons dans la télévision, nous voyons une pile nation qui a fait, nous voyons l'Afrique qui a fait, nous voyons l'Amérique qui a fait, nous voyons l'Haïtien d'Haïti qui a fait, tout partout. On sait des manifestations qui a fait, côté que mon âme tombé, les gars blagues, mon âme, je dis à vivre tout le mouvement tombé, 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 tombé. Les gars ne pas de rendez-vous tomber avant, les gars de rendez-vous pour la vous changer. Son monde a libéré. Son monde, mon Dieu, a libéré en bas des démons. Les nous gardons, nous le possédons. Il y a des noms d'années, des noms de temps. Démons habitent dans le Kaila. Les gens sortent, ils sortent à courage. Parce qu'ils sont obligés de sortir. Donc, on a une faible, elle tombe, elle tombe. Mais tant pis. Je ne peux pas dire une petite à quoi. T'es mon frère. Depuis dimanche, je suis tombé juste. Oh! Dimanche à dimanche, mais non, même something is wrong. Ah, bah, nous m'avons dit amen. Et mon cher, tomber ça, son complot. Tomber ça, son combinaison. N'est-ce que tellement de témoins n'a pas le tombé, mais trois soldats tombés des vols, les la tombé plus. Non, tomber ça, son tombé comploté. Et pourtant, mes amis, mon n'a fin tombé, levé, les mêmes yon de. Ah, nous pas d'accord avec les gens. Je n'ai pas accepté l'évangile, ça. Ça ne va pas prendre l'évangile, ça. Dans mon temps, les bons dieux. Où tomber, son force qui frappe. Mais son esprit mal tombé. Mais qui ça le doux, même? Oh, qui ça le doux, même? L'homme tombe comme ça. C'est l'esprit de Dieu qui frappe. Lève-vous, pas le dîner. On ne va pas nous placer avec nous. L'homme tombe selon l'esprit de Dieu. Levez. Ou après le bon frère, ou après le bon gars, mais tel des autres qui va faire encore. Mais tel des autres, mais tel pas qu'il va faire encore. Oh, dans Actes des Apôtres, 9e chapitre, bon nez qui tombe. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, my God, qu'on homme qui tombe. Dans le premier temps, monsieur Dieu, le sol. Oh, sol, quel bon saut. Sol pral bon saut, le sol saut tombé, pas de monde qui est en tête là, aïe aïe aïe, pas de monde qui est en tête de sol, parce que là où pour la faire le mal, pour la persécuter, puis mon Dieu, et puis l'éternel, Jésus là, il dit frappé Paul, waouh, et Paul tombe sous là. Et pendant pour la terre, Paul qui est en sortie, frappement ça, que le bon, lui mon petit frappement ordinaire, lui mon petit frappement comme ça, aïe aïe aïe! Non, le petit frappement comme ça. Et pendant Paul a fait, pendant son lapin, il a dit mon voix qui sale. Pourquoi? Le persécuté. Même moment, il entend des voix, il va avoir respect. Attendez, le conseil. Qui es-tu? Seigneur. Qui es-tu? Seigneur. C'est frappement sa mort. Le bon frappement. Encore. C'est ça qui fait toute maman petite, toute père de famille qui l'a. Lorsqu'on dit qu'on a un bon problème, ou un jeune garçon qui a un bon problème, ou un jeune fille qui a un bon problème, ou un pas de servir bon Dieu, prends un genou, mande bon Dieu pour le frapper. Aïe, 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 aïe. Nous pas d'accord. Ça a dit, monsieur, ça a dit. Gardez ma commère, ou obligé de mander l'éternel pour le bas, je donne son frappant. Parce que direction, ça le prend.
Souvent dans le collège des Juifs, souvent c'est dans l'université des Juifs, c'est ce fragment céleste. Un fragment de Sodan en haut, un fragment de Jésus-Christ qui vous fait monsieur reprendre. Abdoulaye, il y a des semences. Ou là, il y a 7 jeunes garçons qui t'ont servi, mon Dieu, dans l'église. Il y a des semences qui sont dans la tête, dans l'université, dans le collège. Regardez, verset pas caca ou gel, non? Son fragment. Mes amis, son fragment, oui. Actuellement, la Guinée, debout de la Bible, dit des renseignements, on est fou. Il occupe, on n'a plus de quoi nous aller faire la Bible, dit là. Non, ok, on va prendre la Bible, dit à la même. Mais qu'on frappe pour l'éternel baou. Quoi vin doux. Oh, l'éternel m'a aimé mon sol. Sol tombe. Et puis la veut même maman. Ça veut même maman. Il dit, qui es-tu Seigneur? Et répond, bon, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez bien. Du vivant de Paul, il n'y a pas de gens qui ont rencontré avec Jésus. Dans vivant Paul, il n'y a pas de gens qui ont oué Jésus même une fois dans la ville. Est-ce que l'église là avec moi? Écoute les réponses là. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors que Jésus est monté. Est-ce que ça veut dire c'est ça? Hein? Jésus est monté l'année. Ça veut dire, l'homme emmerde des mondes Jésus. Persécuter mon Jésus, c'est Jésus même. Aïe, 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 aïe. Et c'est dernier monde pour venir persécuter parce qu'il souffrit déjà, il cloué déjà, il pourrait vinaigre là déjà, il met tout en piquant là déjà. Quand il chita sous le nom là, les bouts d'emmerde la passe. C'est dans quoi Jésus vient, il y a un jeune homme. L'homme persécuté Péniel, Pasteur Charles, c'est Asseli, alors sa prière, c'est Jésus a persécuté. Jésus, ça, la main est mort. Donc, c'était après ça que je devais avoir de respecter le contexte là. Nous devons l'autre approche avec selon le texte, de respecter l'esprit prophétique du texte là. L'esprit prophétique par ça là. Et nous sommes obligés de comprendre le rôle du prophète Esaïe. Nous te disons, selon tes théologiens, représentent deux groupes de prophètes. Il y a les grands et les petits prophètes. Non pas parce que l'un est plus bon ami avec l'éternel, pas son l'autre, mais c'est parce que quelqu'un qui écrit plus qu'un l'autre. Par contre, ce sont des décors, ça, monsieur, continuez à faire. Les représentent nous, on l'autre sont en forme de l'autre, trois groupes, trois catégories de prophètes. Sous-songer, nous te parlons de prophète professionnel, est-ce que tu songes ça? Yes. Prophète vocationnel et prophète occasionnel. Tout dit à travail pour l'éternel, mais tout ça, c'est décor théologique. Mais révélation de l'évangile démontre qu'en dépit de tout, la vérité c'est que gagne deux catégories de prophètes, une faux, une vraie. Et je dis à la vie longtemps, chargé faux. Qui a maintenant fait messieurs? Bon, nous n'avons pas vu longtemps, ce n'est pas des faux prophètes qui gagnent. N'est pas de gentil vagabond là, quand vous avez dit, Ross, on doit dire, oh non, d'accord, il y a Mercedes, on doit aller à Mercedes, et vous prenez son prophète, vous prenez son prophète, quand vous avez dit, parler, et vous dites, c'est l'eau là pour le boulot là, là. Bon, vous prenez faux prophètes, c'est un roi pour nous savoir. C'est Dieu pour nous savoir. Pourquoi faire l'évangile biblique? Pourquoi font l'évangile qui selon la parole de Dieu? Je dis, ouais, si on va manipuler, on va contribuer. Même ma si son vacabon, alors on bat la même bonne nouvelle là. Il est tiré soulier dans le pied pour le faire offrande. Il est tiré soulier dans le pied pour la dire monde, avancez, venez déposer vos fondements dans le soulier. Tout le temps, ma marche, bénédiction à vous. Et pas de personne qui est dans le volet. Mais c'est pas possible.
chrétien n'a pas arrêté pour côté. Ce n'est pas arrêté pour côté, pasteur qui sous genou pour garder nos quatre travail. Tu pour nous, ou pas vous écouter l'élément encore. On va l'écouter l'élément pour lever pour direction avec nous. Mais quand on est venu à gros, on va foutre un souli. Gros poil dans la poule. Et puis on a la longe pour Jésus, mais longueur. Et puis la belle a menti. Et puis, je vais regarder mon cap pour mentir, qui a manifesté. Mentir, il n'y a pas de la manifester. Laissez-moi, attendez. C'est selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Ni moi ni vous, nous avons identifié tout faux prophète. Nous avons identifié ni faux ni vrai. Oh, l'église, attendez. C'est la parole de Dieu. La Bible a dit, pour prendre un faux prophète, c'est pour tendre qui prophétie la Bible. Qui date prophétie. Qui direction la prophétie. Qui forme prophétie. Comment prophétie a sonné. Mais pour une prophétie, portez dans la Bible, vérifiez que ça la Bible dit par rapport à la prophétie sortie dans la bouche. Depuis la parole là, opposée à ce qui est écrit. Prophétie, ça lui va bien dire. Amen, ma frère. Mais nous, il est facile. Il est facile pour nous guérir. Comment tu as fait pour nous longtemps comme ça? Nous sommes garçon après garçon. Femme après femme. Nous apprenons chien. Nous apprenons un cabri. Nous apprenons serpent. Il y a des gens qui ont dédoublé. Il y a des gens qui ont dominé un cercueil. Mais c'est le public. Pour nous avoir une prophétie. Pour nous avoir une prophétie. C'est quand on va c'est belle taille à annoncer. C'est avion pour Ivo à annoncer. C'est celle ça pour dire mon trou. Hein? Ou pour pas jamais enseigner la prudence. Comme pour dire mes puretés, mes saintetés. Comme si celle ça pour dire mon trou, mon frère. C'est l'argent seulement est-elle malgré. Hein? Comme si mon Dieu, ma jambe, nous vous disons, t'es regardé, quittez l'angle, vous qui portez trop. Vous parlez même mal trop. Ah bah, nous va répondre, moi, regardez vos jours. Facile pour nous dire, mais mon cher. Comme c'est ça que je fais, comme je dis ça déjà, je conseille aux bien-aimés. Même avant de dire Amen, pour nous apprendre ça. Ou même pour nous faire un cadavre levé, prends ça. Monsieur, nous même pour nous faire un cadavre levé, nous prenons ça. Il a dit son esprit pour qu'on compte au sortir. Est-ce que vous sortez dans mon Dieu? Abdullah là, les Bibles, oui. Que gagne une fois, Chadra, Meshach, Abednego, ils ont convoqué devant Nebuchadnezzar dans un service d'adoration. Dans un service d'adoration pour le faire au son de la musique. Le service a commencé. La musique a commencé à couler. Dirigeant est en frappé. On a manifesté. Chadra, Meshach, Abednego était comme ça. Il n'a pas senti rien. D'accord. Il n'a pas senti rien, non? Parce qu'il aime bien ça. Ok, au fou, ou débordé, ou voir le jeune qui a un tel. Mais l'autre non jeune là. Quelle direction est jeune là? Ok, ou dit, ok, pasteur tel non jeune là. Ah, ouais, moi je vais pas te garder fonctionnement, pasteur tel, selon la Bible. Amen. Est-ce que ça a bien fait sens dans ce genre là? Mais quand nous savons que nous sommes comme un fou, comme un tête parti, comme un qui a folé, n'a pas courage pour bailler pour squatter le royaume de Dieu. Qui dit délivrance, quand des séponges enveloppent qu'il faut jouer livré. Et son vol te fasse couvert. Il dit, à qui est notre livre là-dedans? Et il dit longueur. Il dit, Seigneur, je voulais vivre, je m'en ai mis. Je voulais vivre selon ma parole. Attendez, amen. Donc, nous avons fait que nous avons des voix pour nous faire des prophéties. Les prophéties, c'est manipulation. Ils ne passent pas l'évangile. Ou quand on devant nous, nous disons, répétez après, ah, mais ça, c'est un épargne. Quand on connaît le monde, non. Quand on connaît le monde. Même dans nos prières, il y a fait répéter. Il y a des prières à répéter par vous. Il y a des prières à répéter qui parlent. Et pas prier parole à ça.
On va répéter. Regardez-nous. Toute bête, quand il touche avec la nuit, c'est sur cela. Montez de son. Regardez-nous. C'est nous qui allons répéter. Mais ok, c'est vrai. Où faire prière? Mais est-ce qu'on d'accord sur où bon bagage qui a tiré bête là? Est-ce qu'on d'accord là où? Bête quand je l'ouvertis. Je dois aller gare pour le montrer la caillou. Dis-nous là, c'est pour vous bien aimé. Est-ce qu'on d'accord la caillou? Il y a un bagage qui a tiré bête là. Donc prière, on va faire répéter. L'idée pour le dire, voilà. Prière sera fort répéter. Prière pour le marché. L'on d'accord. Retirer sa bête là dans la roue. Sa bête là dans la caille. Sa bête là dans le tiroir. Sa bête là dans l'office là. Sa bête là dans la chambre. Garde le tableau dans la chambre. Peut-être Julie. Aïe. Conseil de Julie peut être un serpent qui fait un dragon. Chrétien à mettre sous l'eau. C'est vrai, bien aimé. Oh, moi, tu as parlé comme ça. Est-ce que c'est vrai que je ne vais pas délivrer? Regardez comment je vais racler dans le micro. Des côtés sont pas bons. C'est gâte que je vais mettre dehors. Moi, c'est ma rédemption. C'est parce que je vais délivrer. Mais c'est pas ta bonne vérité, ça. Je vais venir pour raqueter. Je vais venir pour un diomé qui vient là et puis espérant que c'est assez libre de la gomme. Même. Dans la caille, oui, mais non. On a vu là pour mon nom, on vient là pour l'évangile là-bas. Nous venons là pour nous dire, jeune fille, qui ne prie pas, mais pour répéter, tout autant pas rangé, pour jouer à l'éternel, prier ça, il n'y a pas marché. C'est vérité. Donc, c'est pour nous veiller, il faut qu'on fasse mieux. Dis qu'on fait qu'on y a un agent qui travaille pour nous, qui marche pour l'adresse de nous. Et puis vous n'avez pas campé. Vous dites tel et tel. Et vous content. Vous comptez c'est l'esprit qui a parlé. Et vous dites démarcher à quelqu'un dans le monde. Il fait Google adresse sur Bali. Vous êtes enregistré. Non, vous connaissez dans le programme. Vous ne pouvez pas répondre. Et puis vous n'avez pas réussité. Non, vous pouvez adresse. Vous comptez c'est bon Dieu qui a travaillé. Aïe, aïe, aïe. Mes amis. Mes amis, nous dans le ciel. Souvent, pour nous, faut qu'on fasse tout à regret toute la vie. Vous songez hier, méditation hier soir. Le vieux prophète et l'homme de Dieu. Monsieur font coup de volant sauvage sur l'homme de Dieu. On nous dit, deux hommes spirituels que j'ai rencontrés, une balle séduit l'autre. Dans 1 Roi chapitre 13. Monsieur campé dans le fidèle homme de Dieu. Il dit, l'éternel te guette à 10 mois pour finir. Monsieur qui est bien, bien, il y a un garçon qui est bien, pasteur qui est bien, pourquoi dire oui vite papa, pourquoi comprendre tel de Dieu, sonnez, je dis homme de Dieu, l'éternel de Dieu, moi plus là, donc pour lui, il permission pour venir rentrer, manger et boire ensemble avec moi. Alors que première prophétie, première révélation, mon Dieu n'était pas là, c'est le Guéval. C'est le Guéval. Monsieur prend un piège au prophète là, et puis il perd tout le ministère. Il perd toute carrière. Levez-moi, il dit Seigneur, il est bon, prendre un piège ça. Seigneur, il est bon, tomber ma séduction, Satan. Regardez, m'a donné le démon et dit Seigneur, aidez-moi à tomber dans ma piège, Satan. Même dans le ministère, il y a des groupes qui sont populaires, ou pas qu'à Malchéo. Même dans le ministère. N'importe quoi, c'est qui sage. Avant de parler de micro sur les bisous, c'est pour prier, mon Dieu. Parce que les gens qui ont dans les bisous, c'est fidèle ou vient séduire. C'est fidèle ou vient séduire. Les gens qui ont fait l'évangélisation parlent dans les bisous, alors que l'évangélisation, c'est dans la rue où la fête. Les conseils de prière, des magogues, qui ont fait dans l'église là, tu as entendu le petit place Bogoto là. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'église a parlé de
t'allons donner votre place beaucoup de temps. Et selon la logique de l'évangile, mes frères et mes soeurs, si par exemple, je viens dans la ville là, je vais dans micro, je fais le ministère là, je passe dans le micro, dans l'église là, et puis je vais une folie pour le ministère, il est immoral pour me vivre loin du building next door to me. Il est immoral. Pour qui ça? Parce que je vais faire un pack déjà sur fidèle Lio. Hein? Je vais faire un pack. Nous te ferons un pacte déjà sous fidèle Lio. Depuis le premier couple, seulement, prends fidèle Lio. Alors là, je me dis, prends, comprends bien, oui. Si pasteur est solide, tu ne peux pas faire ça. Mais l'immoralité, ça, il existe actuellement là. Nous la prêché dans l'église, la prêché réveil annuel pour et pour tenter le mouvement de là, qui boit une fond l'église next door to you. Alors que plein de côté dans la zone là. Ah bah, nous allons répondre, moi. Les vieux m'ont dit, c'est une bombe à tomber en bas, c'est une soirée à pleurer. Et ça, son prière, conseiller toute jeune fille, toute jeune garçon, pour nous faire, même avant de nous marier, pas jamais regarder qui j'ai un monde look, looking good, he has muscle, he looks big, he has degree. Take your time and pray. Ask God to guide you. Avant dit oui. On te dit ça, on les gens qui étaient fâchés. Des gens qui semblent moun. Sur les gros pasteurs qui peuvent pas témoigner ça. On se jouer. Monsieur 17, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Puis on cherche ma tête, on va côté, on côté, on va voir. Puis les gros tirs, on va dans le feu, on va voler le gars. Levez-moi les dix, ouvert GMC, ouvert GMC. Ouvert GMC. Toujours songer aux premières révélations que mon Dieu te bail là. Il dit pas de rapport entre lumière et ténèbres. Il a une vie, j'ai mis dans mon Dieu, jusqu'à ce que le bonnet parle là. J'ai un garçon, j'ai mis dans mon Dieu, jusqu'à ce que le madame Paul n'a pas de amen dans la gare là. Non? Parce que jusqu'à présent, mon Dieu est mon serviteur là. Il dit bon servant. Et pour ne pas appuyer le mot selon parole, la levé en dignité. Parce que son bon Dieu qui est fidèle. Oh, il est son bon Dieu qui est fidèle. C'est ça qui fait Esaïe. Appuyant sur la fidélité de Dieu, l'a encouragé le peuple là pendant la captivité. Pour dire, désormais, c'est l'Éternel qui a parlé là. 70 ans passés, douleur finie, souffrance finie. C'est pas n'importe qui monde qui veut professer ça, c'est pas faux, mais c'est l'Éternel même. Bon Dieu création, celui qui t'a créé, oh Jacob, celui qui t'a formé, oh Israël. Ne crains point, car je te rachète. Ça, son bon Dieu fidèle. La fidélité, il fait partie des attributs éthiques de Dieu. Le monde des attributs, des attributs intellectuels, mon Dieu. Un attribut intellectuel, mon Dieu, où je vous joindre l'omniscient, l'omnipotent. Et autre encore, des attributs émotionnels, mon Dieu. Un attribut émotionnel, mon Dieu, he is loving. Il y a l'amour là. Un attribut éthique, mon Dieu, comme ça, il y a un système, mon Dieu, même, il est fidèle. Il y a tout système.